Bonjour Muti, Bonjour. Vous venez de sortir un album chez Dargaud Mend. Vous pouvez nous parler du concept de cet album? Alors, le livre part d'une invention technologique de l'FBI qui consiste en un appareil qui est capable de lire les images de la vie d'un homme qui est mort ou appena mort. Quindi richiamo un po', diciamo così, il concetto filmico di déjà vu, face off o Matrix. Donc le concept de la bande dessinée, c'est une invention technologique qui permet de lire les images de la vie au moment du trépas d'un homme. Donc on dit la phrase célèbre qu'on a vu sa vie défiler devant ses yeux juste avant de mourir. Et cette machine-là, inventée par l'FBI, est capable de filmer, de voir ça. E a questo si aggiunge chiaramente una serie di personaggi molto interessanti, molto, molto umani e non stereotipati, non classici dal punto di vista del tipico eroe, tipico cattivo, ma una serie di eroi e di comprimari assolutamente interessanti che nella storia si sviluppano in modo molto, molto importante e un rapporto a padre e figlio che parte in un modo per poi avere un'evoluzione molto suggestiva. Donc ici, s'ajoute au fait du développement technologique un rapport avec beaucoup de personnages très intéressants. Il n'y a pas de héros prédéfinis ou de méchants prédéfinis. C'est toute une série de petits personnages qui auront leur importance à chaque fois. Et puis dans ces personnages, ça implique une relation père-fils très importante qui se développera tout au long de l'album et dans le deuxième album qui sera la suite et la fin de cette histoire. Et ce second volume, on peut l'espérer voir sortir quand? Le second volume c'est à octobre, et ogni deux volumes, praticamente, c'est le second cycle. Deux volumes, la histoire est complète, deux volumes, ogni deux, la histoire est complète. Donc le deuxième volume est déjà prêt et il sortira au mois d'octobre. Et ce sera à chaque fois des cycles de deux bandes dessinées qui raconteront une histoire complète. D'accord. Et toujours sur la technologie du FBI ou d'autres Chiaramente la tecnologia sarà la base, però avremo sviluppi interessanti e differenti, non solo dal punto di vista tecnologico, ma dal punto di vista umano, dei personaggi che ci saranno dei nuovi personaggi, nuovi sviluppi, nuovi cattivi, insomma, molto interessanti. Donc la base, l'idée de base sera toujours l'idée technologique, mais il y aura toujours à chaque fois des personnages différents, des histoires différentes à développer. Et une technologie autre que, ou toujours cette même technologie toujours cette même technologie qui aura peut-être des ajouts, mais c'est toujours cette technologie-là. D'accord. Et il peut nous parler de ce qu'il a déjà fait avant, de son œuvre Il a fait beaucoup de travaux avec différents éditeurs. Donc, il y avait le syndrome de Cain, 6 tomes pour Soleil, Nero 3 tomes pour Casterman. Il y avait également section financière, 3 tomes et le quatrième qui va bientôt sortir pour Vent d'Ouest. Arrivederci Amore Ciao toujours pour Vent d'Ouest avec 2 tomes. Il avait également fait 4 albums chez Albin Michel. Et il fait différents travaux aux États-Unis pour Marvel, DC Comics, etc. Vertigo Comics. Les grands de la BD américano-belge, si je puis m'exprimer ainsi. Alors on va montrer autant qu'on peut l'album. Voilà. Et je vous remercie de cet entretien pour le blog et bon festival, bon bif.